Salut, je suis Gaëtan Loël, je suis romancier indépendant depuis quelques mois maintenant, auto-édité aussi depuis un an, je pense maintenant. Et je suis surtout connu pour être l'auteur de la saga épique Le Tourmenté en Roi, qui est un livre de fantasy et de philosophie, en même temps c'est possible, qui a un certain succès aujourd'hui, dont je suis très content, et aussi je suis auteur du conte Emmène-toi avec moi qui vient de sortir, qui retraite une romance. Un conte aux formes traditionnelles, mais au message bien moderne. Et je suis professionnel, c'est-à-dire que j'ai quitté le milieu de l'auto-édition de loisirs, de passion pure, brute, pour le monde des professionnels où il s'agit plus seulement d'écrire pour être lu si les gens veulent bien, mais de vivre de ses romans. C'est-à-dire que je m'engage vraiment certaines responsabilités là-dedans. Et il y a quelques temps, je suis tombé sur Anaïs, au travers d'une newsletter où elle parlait de son coaching, ce coaching qu'elle lançait à l'époque. Et j'ai souscrit, j'ai rempli le formulaire, et j'ai passé un mois avec Anaïs à mettre à plat toute ma stratégie. Parce que j'étais débutant. Toujours un peu, je pense. J'étais plus débutant encore à l'époque, et j'étais perdu parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Parce que l'auto-édition pro, c'est génial, c'est absolument passionnant, mais qu'on se le dise, c'est compliqué. C'est vraiment pas gagné d'avance, il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à comprendre, plein de décisions à prendre. C'est un dédale tortueux et un peu effrayant parfois. Et Anaïs a été une grande, grande aide pour tout mettre à plat et tracer un chemin qui sera le mien pendant longtemps, je pense. Le plus longtemps possible, en tout cas. Et par exemple, pour parler d'exemple, trouver le prix d'un livre, trouver le format d'un livre, trouver la façon de communiquer avec les gens selon la personnalité qu'on a, selon le public qu'on veut obtenir, comment se comporter en salon, comment se comporter sur le web, sur les réseaux sociaux, comment construire un site web, comment mettre en place une newsletter, comment monter sa boîte, ne serait-ce que créer une entreprise, c'est compliqué. Plein de questions vagues, plein de questions se mettent en même temps, et si vous êtes déjà dedans, vous savez à quel point c'est complexe. Et Anaïs est super pour ça, parce que, en plus d'être pédagogue et sympathique, elle a beaucoup d'expérience. Plusieurs années de réussite, d'échecs, qui ont été riches en enseignements, de tests divers, de façons de faire, d'outils, de méthodologies, etc. Et aujourd'hui, elle est rodée. Et elle transmet, et le transmet très très bien. Un mois de coaching, c'était pour moi un énorme booster. Je suis passé du mec plein de bonne volonté avec la foi, mais complètement paumé finalement, à aujourd'hui quelqu'un qui est beaucoup plus serein, qui sait qu'il reste un gros travail à accomplir, mais qui est prêt à le faire, qui a les bonnes bases pour le faire. C'était grâce à Naïs. Et je peux dire aujourd'hui que une partie de la réussite que j'ai eue ces derniers mois depuis coaching, c'est grâce à elle. Enfin, même que je la mette dans les remerciements de ces jours, il ne faudra pas que j'oublie de le faire. Mais voilà, donc je peux que vous inciter à la suivre, que ce soit par son site Vivre de ses romans ou sa newsletter et surtout le coaching parce que rien ne vaut un coaching personnalisé car vos objectifs sont personnels, vos livres sont personnels, votre façon de voir le monde est personnelle et ce qui est génial avec Anaïs, c'est qu'elle ne va pas dénaturer tout ça. Elle ne va pas essayer de vous transformer en une analyse 2 ou 3 ou 4. Elle va prendre ce que vous avez, où vous voulez aller, et vous tracer avec vous, pas toute seule, un chemin qui sera le vôtre et qui vous mènera loin, à condition de s'y mettre vraiment, parce que c'est du boulot. Voilà, donc c'était Gaëtan Noël, et je vous souhaite tout le meilleur, une bonne grosse carrière de romancier indépendant. J'en profite pour remercier Anaïs encore une fois, chaudement, et je reste disponible sur les réseaux, vous tapez Gaëtan Noël ou Le Tourment des Rois, vous me trouverez d'une façon ou d'une autre. Si vous voulez en discuter, avoir plus d'informations sur cette expérience qui était la mienne. Voilà, merci et à bientôt. Ciao!